Nabdeo Roulette, Sirim Talium fait trois exercices, RL ou LC. Nabdeo pour l'exercice numéro 1. En utilisant un oscilloscope à mémoire convenablement branché, on visualise simultanément l'évolution au cours du temps de la tension UAM aux bornes du générateur sur la voie Y1 et la tension UBM aux bornes du conducteur ohmique sur la voie Y2. Complétez le schéma de la figure 3 et le schéma directement en précisant les branchements de l'oscilloscope permettant de visualiser UAM sur la voie Y1 et UBM sur la voie Y2. Donc, en premier lieu,

oui, monsieur. Bien. Donc, la question est question b Montrez que la courbe A correspond à UBM. La courbe A est... Aye. Je ne sais pas vous euh, Monsieur, AT euh, A est égale à zéro. Oui. Je courant. Bien sûr, on ferme l'interrupteur. Elle a montré que la courbe A correspond à UBM. UBM de 0 égale 0, on a de T. Voilà. Voilà. Donc, j'obtiens l'identification. On manque deux courbes. Le montage a des choses, je pense. Je courbe B ou la courbe A. La courbe B, madame Constance, madame Telard. Très bien. Très bien. Donc, par élimination, la courbe B est courbe de le Donc, on a question B. On a UAM C est égal à eux, c'est une droite constante. Droite constante, elle est y de la courbe courbée. D'où? Courbe A correspond à UBM2T. Déduire que le dipôle D est une bobine d'inductance L et de résistance interne R. Déduction. Comment il s'établit le courant dans le circuit?

Oui ou non? Oui Monsieur. Oui. Donc, il y a la proportionnelle a la même variation. Donc proportionnelle elle a la même variation. Donc on a, le courant i, l'Ur est l'image de, de l'intensité de courant i. Donc le courant s'établit donc le coran s'établit progressivement donc progressivement donc suivant un régime On dit, Très bien. Suivons un régime transitoire. Est-ce Donc, est-ce qu'on nous dit pas les le retard Bobine. Voilà. Donc, n'importe La bobine le retard de l'établissement. La bobine retarde, retarde. l'établissement. La bobine retarde l'établissement. Donc, D est une bobine. Question D. Quel est le rôle de la diode? éviter l'étincelle au niveau de l'interrupteur. Voilà, donc c'est pour, la, pour la protection. Donc c'est pour la protection et éviter l'étincelle de rupture. L'étincelle de rupture. Rupture. Ou est-ce que l'étincelle l'olé À l'ouverture de l'interrupteur K. Oui. Oui. À l'ouverture de l'interrupteur K. Donc, protection de l'instrumentateur. Donc, l'ENA, ça m'a risque Allez, on va ici réellement. Donc, l'ENA, ça m'a énergie magasinée dans la bobine. دونك في اللوفرتير نتاع الإنتربتور كا، البوبينة باش تخلص من الإينرجي هذاك. دونك باش تخلق هوني إيتانسيل دو لا روبتير، وباش يصير شونجمون زادا نتاع نتاع صونص نتاع كورون. دونك بور إيفيتي لي دو لا روبتير، دونك نحط الديود هذاكا باش يصير الباساج نتاع الكورون إي إك لينرجي ماغازيني ولي سو فورم تيرميك في دون ريزيستور باهي، السؤال اللي من بعد. مونتري كو لا تونسيون بي إم Au bornes du conducteur ohmique, vérifie l'équation suivante, donc l'équation différentielle en fonction de UBM. Donc on y schéma par obligation électrique tout Deuxièmement, donc en schéma, le montage fil générateur, le bobine, au résistor R 0 Donc la relation courant. Oui. l'intensité du courant I fait dans sens. L'E, e, donc, résistant du courant I, il un sens inverse. Ur-0, ou le bobin d'indictance L, donc, hevi, U-B. Oui. Donc, len a en fonction du U-B-M? Le ur-0, il y a Bidha, c'est U-B-M. Donc, d'après la loi du loi des mailles. Ib plus Ibm moins E est égal à 0. Très bien. Ubm de T en minuscule, lecte Plus Ubm de T moins E, e. égal à 0. Ubm de T c'est R0 fois I de T plus PQTR fois I de T, plus L, dérivé de I. L dérivé de I par rapport au temps. Le tout égal à E. Donc, mm Satina, -hmm. L dérivée de I de T par rapport au temps, plus R0, plus pituitaire fois I de T égale à, mm -hmm. égal à E. Donc, donc, l'UBM à quoi est égal R fois I, oui ou non Oui. Donc, l'UBM de taille, c'est pour toujours à quoi égal R0 fois I de T. Donc, on va multiplier le tout par R0. Ah, c'est une forme à l'équation. l'UBM donc, je vais diviser par R0 fois I, cest UBM, donc le tout divisé par R0. Très bien. R0 plus R. Donc, Marabarkan moi donc, l'équation sous quelle forme? Donc, Beshatina L sur R0 plus pituitaire fois dérivé de UBM de T par rapport au temps plus R0 plus petit r sur L fois DUBM par rapport au temps, pardon, fois UBM. Fois UBM tout simplement. Donc, fois UBM de T à quoi t égale, est égal à R0 fois E sur... Grand R plus petit R. Ben, donc, A de la forme A de la forme, la est elle est à taux fois dérivé de UBM de T par rapport au temps plus à UBM de T. Lena nana a une simplification, on elle est une fraude UBM de T. Donc plus UBM de T est égal à R0 fois E sur R0 plus PTR. Donc Lena, nana charge de taux par identification Le taux est égal à L sur R0 et... plus petit R. Donc, quel est est appelé, je Constante de temps. Très Constant. bien. Donc, to A, c'est la constante du temps. Prêt? Troisièmement, petit A. Vérifier que la tension IBM est égale à I0 fois 1 moins exponentielle. exponentielle moins T surtout. Donc, je qu'on on remplace ah, dans l'équation. Oui. Oui. Donc, je voilà. Donc vous dire, je vais vous dire, je vais vous par rapport au temps. De U0 facteur de A moins exponentielle moins T sur T. L'année, c'est la dérivée. Je, je vais vous donner une dérivée. Je vais vous donner dérivée. U0 multiplié par A, c'est U0. U0 fois moins exponentielle moins U0 exponentielle moins T sur T. Donc, l'année, c'est la dérivée. La dérivée de U0, c'est une constante. Donc, oui. le moins U0, tu je U0, dérivé de exponentielle moins T sur Tau. Je vais moins 1 sur Tau, c'est le moins le barre. Oui. Oui. Donc, je directement, est égal à U0 sur oui. Tau, oui. exponentielle oui. moins T oui. sur, oui. sur Tau. Donc, l'équation différentielle devient. L'équation différentielle devient. On remplace tous les dèvres. Et Dérivé, c'est déjà dérivé multiplié par chnawa, par taux. Donc, taux 1 fois U0 sur taux 1 exponentiel moins t sur taux 1 plus U, UBM directement, c'est U0 moins charta directement moins u0 exponentielle moins t sur taux a. Le taux à quoi gale, est égal à r0 fois e sur r0 plus euh, petit r. Ça a m'a simplification, je dire dans notre expression. Donc, Tau a ou taux a je haut, u0 exponentielle moins u0 exponentielle. Donc, directement, on simplification. Donc, je je t'en ai. Donc, U0. U0 à quoi est égal Donc, est égal R0 fois E sur R0 plus petit R. Heavy, la valeur de l'expression de U0 en régime permanent. Et il y a R fois I permanent. D'accord D'accord. Ben Déterminer la valeur de la force électromotrice E du générateur. Donc, euh, il la valeur UBM, UB de 0, c'est pour toujours à quoi est égal, égal à E Oui ou non oui. Donc, déterminer la valeur. On a question B. UB de 0, c'est pour toujours est égal à E moins. Ur de 0, ur de 0 égale à 0, donc quoi est égal à E? Donc à quoi est égal graphiquement? Oui, c'est 8 volts. Quatrièmement, petit A. Montrez que l'expression de R s'écrit sous cette forme. R est égal à R0 fois E sur U0 moins 1. Donc, dit ma fioce que les expressions à donc, ça mmh. se voit bien, elle est faite à l'expression de U0. Oui mmh. ou non? non U0. Donc, U0 à quoi est égal? Mmh. Est égal à R0, R0 fois, e, fois sur e sur R0 plus petit R. Donc, on a R0 plus petit R est égal à R0. -e, sur I0. R0 plus petit uh, -er. Donc, honey, on si je charge petit R0 fois E sur R0 plus petit -er, moins R0. Charge mm -hmm. R0 m'sin en facteur de R0, on va Sur E0. Alors... Sur E0, oui. Sur E0. Mais Donc, on charge R0 en facteur, facteur de E sur U0 moins, oui. moins 1. Heavy, l'expression de, de R. Ouais. Donc, déterminer la valeur de la résistance pituitaire et l'indictance L. Donc, on a les valeurs collo, on a le R0, on a derrière collo, on corrige les valeurs. Donc, le petit r égale le R0. Si déjà donné fait l'exercice, c'est R0.

Voilà, 10,6 ouais. Mais, déterminer l'inductance L. l'inductance l'indictance L, je te rajoute Voilà, détermination de l'automne, donc, c'est ma question que je fais, c'est la détermination du taux. Donc, on a taux A égal L sur R0 plus petit r. Donc l'indictance L à quoi est Tau A fois R0 plus petit r. Avec Tau 1 à ah ouais, L'abscisse du point d'ordonnée à 0 0 de Tau à quoi est 0,63 fois UR permanent. Elle est 6,6. Donc, calculatrice, vous le dites 4,2. 4,2. Mmh. Donc, Kipšna Drabale, elle directement 4,2. Je dis une point a, donc le taux quoi égal, est c'est 4 millisecondes. Le taux 1 est égal à 4. Mais 4 fois 10 à la puissance moins 3, d'où l'indictance L égale 4 fois 10 à la puissance moins 3 fois, fois 60,6. une valeur, vous le dites, Uh, 0,24. Uh, 0,24 en oui. Question nimbale. Montrez que l'équation différentielle en UBI s'écrit sous cette forme. L'équation différentielle en ubais. Je n'ai pas de un Il y a D'après la loi de May, donc, d'après la loi des mailles, on a R0 plus petit R fois I plus L dérivée de I par rapport au temps, à quoi égal, est égal à E. On va multiplier par R0. Le le UR0, Satina, grand R, 0 plus petit R, fois UR0 de T, plus L, dérivé, Raoul, il y en a une infinité de méthodes, les d'A. Dérivé de UR0 de T, à quoi t égal est égal à R0 fois E. Or, UR0 de T égale à E moins Très bien, or, ur0 est égal à e moins ub. Donc, on remplace ur0, statine, elle est l'expression, statine, r0 plus r fois e moins ub de t plus l dérivé par rapport au temps de e moins ub de t. Donc, le taux à quoi est égal est égal à R0 fois E. Donc, j'ai est constante. Dérivée de E, c'est une constante. C'est ça. Mais, je vais vous dire, je vais dire, R0 plus petit R fois E moins R0 plus petit R fois UB. Le moins, il a de moins L dérivé Derivé, UB par rapport au temps, à quoi est égal R0 fois E. Donc, l'équation différentielle de tout. Donc, moins dérivé de UB ou UB, très simple, je suis aller au positif. Donc, tu y a l, l dérivé de UB de T par rapport au temps plus R0 plus pituitaire fois UB. À quoi est c'est R0. R0, plus pituitaire fois E, moins R0 fois E. Donc, qui que R0 fois E, moins R0 fois E, c'est qu'à quoi égal pituitaire mm -hmm. fois E. T -t de a Donc, vous le forme de l'équation différentielle. Donc, quand la dérivé, le coefficient c'est A. Et dire que le coefficient est en charge de l'inductance L. l. Je faire, je Donc, je vais faire l'expression TAC. Voilà. Donc, je vais faire ça. Donc, DUB par rapport au temps plus R0 plus pétuitaire sur L fois UB à quoi t'égal pétuitaire fois E sur l'inductance L. Vérifier que UB de T s'écrit sous cette forme. Vérifier que UB de T est égal à R plus grand R fois exponentielle moins T sur T. Donc, lena a deux méthodes. Il UB bon. plus UR égal à E, on tire directement mm. l'expression de UB, ou bien UB est égal à R fois I plus L dérivé de I, on remplace I par UR sur R, vu qu'on a l'expression de UR. Donc, lena de préférence. D'après la loi de May, UB est égal. E moins UR0, il y a un UBM, il y a un r Donc, il est à E moins UBM, il y a un R0 fois E sur R0 plus pituitaire, le tout facteur de 1 moins exponentielle moins T sur tout. Donc, Saténa. UB de T égale à E, Tomshir, ça atteint à moins R0 fois E sur R0 plus pituitaire, moins moins, ça fait plus, donc plus R0 fois E sur R0 plus pituitaire exponentielle moins T sur sur t

Ai R0 fois E R0 fois E, monsieur. Très bien. Très bien. Grand R exponentielle moins T sur Tau. R0 fois E moins R0 fois E. L'expression simplifiée de UB, UB de T, à quoi t'égale Est égal à petit R fois E sur R0 plus petit R plus grand R fois E sur grand R plus petit R, exponentielle moins T sur T. Donc, je n'ai pas le E sur grand R plus petit R en facteur. Donc, UB2T, elle devient. Donc, je vais faire permanent, E sur grand R plus petit R. Donc, je vais faire R plus... R0 exponentielle moins T sur oui. sur Claire Oui, monsieur. Donc, l'autre question, représenter sur la figure 4 T, V, la variation du UB. C'est simple, l'un l'autre. Donc, nous devons la représentation directement, le UB est égal à E moins UR. Donc,

L'allure directement. Donc, on a une courbe décroissante avec une courbe de UB. Donc, heavy, c'est courbe de UB. Même si l'exercice est fini, c'est l'exercice LC. Donc, je vais faire l'exercice. Ah, il y a un de euh, on se propose de, 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 de déterminer la valeur de, de la capacité C du condensateur et l'inductance L de nos bobines purement inductives. Pour cela, on réalise le montage de la figure 1. Euh, le condensateur étant complètement déchargé, en place à l'instant t égale 0 seconde du commutateur K en position 1. La charge, condensateur, euh, 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 la charge du condensateur est-elle instantanée Justifiez la réponse. La charge du condensateur est-elle instantanée

ah, yeah. Donc, charge par le condensateur, c'est fameux résistor, Radi. Il n'y a pas de résistance. Voilà, donc l'ENA porte le commutateur K fait la position 1. Donc, la résistance totale est égale à 0. Donc, y Béchisir, charge instantanée. Claire? Mais ça mèche tout, Radi. Oui. Voilà, la résistance totale est... Est nul. Donc, le condensateur est chargé à 5 taux. Est-ce que ça m'a taux? Non. voilà Deuxièmement, lorsque le condensateur est complètement chargé, on bascule à l'instant pris comme nouvelle origine du temps. Le commutateur a la position 2. montrer que l'équation différentielle en U' s'est créée la forme. Donc, juste commutateur K fait position 2. Donc, notre montage comprend une bobine purement inductive et un condensateur. Oui. Au sens du courant, il Donc, elle est l'intensité du courant I par la convention récepteur UC ou UB Donc, d'après la loi du maille, la loi. D-maille IC plus IB est égal à 0. UC de T, UB de T plus UC de T est égal à 0. LDI par rapport au temps oui. plus UC de T est égal oui. à 0. Donc, la formule, on a trouvé l'ouchon, hein? Or. L'intensité de courant I égale à D de Q par rapport au temps égale Olé. à C de C par rapport Olé. au Olé. temps. Et dérivée de I par rapport au temps donne C dérivée de la dérivée C, dérivée seconde du C par rapport à dt au carré. Donc l'équation devient. Ah, je LC dérivé seconde de UC par rapport au temps plus UC de T égale à 0. Donc, tout endroit, forme, hein? est donc le tout divisé très bien par LC. Donc, Chatina, finalement, l'équation dérivé seconde de UC par rapport à dt au carré plus 1 sur LC fois UC de t égale à 0. Et bien, c'est notre équation différentielle. Donc, question B. <coughs> Sachant que la solution de l'équation différentielle est de la forme UC de t égale à UC max sinus de pi n0 t

Okay. Donc l'étape numéro 1 on U c, de, T égal à U T max sinus de pi N0 T plus, phi de UC. donc on va dériver l'équation différentielle fait dérivé ou dérivé second oui dérivé de UC par rapport au temps. Chiatine euh, une dérivée de l'UED. Oui. De pi n0. 2 pi fois n0 en facteur. UC max. -max. Dérivée. Eh bien, cos de pi okay. n0 t plus phi de UC. Hein? Dérivée fait. Dérivé seconde, UC par rapport à DT au carré. Tu as autre de pi depuis N0 de nouveau 2pi oui, N0, N0 au carré. Très bien. Fois UC max. Pi sinus, 2pi N0 T plus Phi de UC. Ben, je connais. C'est Donc, je vais vous montrer ce que c'est. Dérivée seconde du C par rapport à DT au carré, à quoi tu es égal Depuis N0. Ça m'a signé à moi, le dérivé de ta c'est moins 6. Donc, est égal à moins, depuis N0 au carré, fois CNF, fois C de T. Tu as deux choix. Donc, il y a un matage l'équation différentielle et on, on, tu vas le remplacer. Ou bien, d'après l'équation différentielle, la dérivée seconde de UC par rapport à dt au carré. D'après l'équation différentielle, à quoi égale À moins 1 sur LC fois UC de t. Oui ou non Oui. C'est l'équation différentielle ou charge la dérivée seconde vu que l'expression t'a... Le, 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 dérivé du, le dérivé second. Donc, par identification, je <po> Par identification, à moins de pi n au carré est égal à moins 0 Le moins ou le moins, je suis à la roche. Donc, c'est suis en dérivé. De pi n0 au carré est égal à 1 sur lc. Bien. Donc, on a dit que racine carré, cest depuis n0, à quoi égale 1 sur le racine, racine carré de lc? Hop, directement, on le n0, à quoi égale 1 sur deux pi racine carré c de lc. D'accord? De oui. Donc, on a une infinité de méthodes, on a Troisièmement, petit a. Donc, troisièmement, petit tard exprimer l'énergie totale en fonction de L, C ou L'énergie totale, c'est pour toujours l'énergie électrique plus l'énergie magnétique. Donc, quoi un demi C, est U, c est au carré plus l, Q, un demi L fois I au carré. Montrer que l'énergie se conserve. Non, Démanossi a dit formule, elle a vu le brillant. Donc, on va dire la dérivée par rapport au temps de f au carré, c'est à dire Deux fois la dérivée de f fois f. Très bien, on dit. Deux dérivées de f par rapport au temps fois f. Donc, directement, DE, e. va dire que je vais aller choisir le Donc, dérivée de e par rapport au temps, donc constante, c'est n demi c, c dérivée de u c au carré de... E. DUC par rapport au temps fois UC plus 1 demi L dérivé de I au carré de DI par rapport au temps fois I. Donc, les simplifications internes, on a deux Hedi ou deux n'a Bishnaha. Donc, C dérivé de UC, c'est I. Oui. I facteur de changement UC plus L dérivé de I par rapport, par rapport au, au temps. Or, UC plus L dérivée de I par rapport au temps égale à 0 d'après la loi des mailles. Oui. Donc, nous, dérivée de E, puisque avec égale à 0, donc dérivée de E par rapport au temps égale à 0, donc l'énergie E est constante. Clair. Oui. Montrez que l'énergie est magasinée. L'énergie magnétique est magasinée par la bobine sécris sous cette forme. Montrez que l'énergie s'écrit sous cette forme. Je ne pas où l'on Monsieur Nafouli se bal. l'expression de l'énergie magnétique EL Oui. L à quoi égale un demi. L fois I de T au carré. Avec l'expression de I de T est quoi égal? Est égal à C DUC par rapport au par temps. Est oui. égal à C, qui n'aime le dérivé ici oméga0, UC max, dérivé ici cos 2π euh, fois N0T plus phi de UC. Hey, les formules du l'air sin carré de tita cos, plutôt cos carré de tita statine ah, c'est toi 1 plus cos tita très bien, très bien cos carré de tita c'est 1 plus cos de tita sur 2 Ou oui. sin carré de tita c'est 1 moins cos de tita donc directement on remplace dans l'expression donc, UL égale 1 demi L fois I au carré. Mais, l'oulette, c'est oméga 0 fois UC max. Mais, il elle a jeté à domara. C'est fois oméga 0 fois UC max. C'est fois UC max. Ce qu'on y a dit que Q. Oui. Hmm. Oméga 0 fois Q max. Ce qu'on y a dit M. I max. Oui donc le l i égal à d par rapport au temps égal à c fois d par rapport au temps fait dérivé. on a l'oméga oméga on de plus plus sur deux donc max max c'est égal oméga zéro fois Q max C'est égal à c fois oméga zéro fois u c max donc on ne pas oublier donc donc ça quand là donc on y avait un demi l donc demi L. Donc on i max oui ou non oui donc un demi l fois I max au carré, cos carré de 2 pi N0T plus phi de UC. Donc, cos carré du theta, je c'est 1 demi L I max carré. Donc, UL max à quoi tu C'est 1 demi L fois I max au carré. Donc, Biciatine, U max. On a votre cos carré de theta, statine 1 plus cos de theta, Donc 2 fois 2 pi n0 statine 4 pi n0 t plus phi de UC. Le tout sur 2. Et 2, avec Karaj. Oui. Voilà. On va acheter l'expression demandée dans notre exercice. D'accord Oui, monsieur. 2 deux fois φ de UC. Donc, l'expression de l'énergie magnétique en fonction du temps. Deux. Donc, je vais vous un dispositif approprié. D'acquisition de... Ah, de données permet d'enregistrer simultanément l'évolution au cours du temps de courbes Ici, les ah. le condensateurs ainsi que celle de l'énergie magnétique ELDT imaginée dans la bobine en fonction du temps. Et, ah. de... et de tracer les courbes I, euh, les courbes 1 et 2 de la figure 2. Voilà.

Voilà, donc c'est simple. Mais je ne sais pas si D'accord, vous ouais. Donc, quatrièmement, petit A. Donc, l'énergie magnétique EL égale à demi L fois I de T au carré. Quelle que soit la fonction I de T, donc, donc l'énergie est positive. Oui. Voilà. oui. Donc c'est supérieur à 0. Je connais la courbe jusqu'ompositive, il est courbe A. Correspond à UL de T. Bien. Question B. Déterminez graphiquement les valeurs de N0, UC max et la phase phi de UC. Ben. تحب تقرا على الكورب نتاع الانرجي نعرفوا اللي سي بور توجور وقت لوسيلاتور يعمل بيريود الانرجي قداش يعمل بيريود دو تري بيان دونك ها هي الكورب هذه من الماكس الماكس دونك هذه سي لا بيريود تي زيرو اللي تقابلها الكورب بروج فوالا تقابلها شنو هي دو تي او داكور On va déterminer la fréquence n0. Donc la fréquence n0 égale à 1 sur la période T0 égale à 1 sur 28 millisecondes. 28 fois 10 à la puissance moins 3. Donc est égal à 1000 sur 28. À tous les valeurs, vous les dai. Euh, 35, euh...

2,5 volts. Les unités, mais les choses sont Tantôt, on fait, que fait des valeurs sans unités, Lulette. Hein? La phase phi de uc. Sur deux. Donc, l'arabe, on pi sur 2, mais à justifier, on a uc de, UC de 0 plus de plus. est égal à uc max sinus phi sinus de uc égale à uc max. Donc, simplification par uc max, uc max

qu'arrej oui, l'expression tan u de t anti l de t c'est quoi خرجتها دو la valeur de u c max akwat egal 2 fois tini, euh, fois... de fois sinus de pi fois la fréquence n عطيني deux fois 2 fois 30 35,71 فهمشي vr... على القدر Deux <tut hafte> ja. fois 35,61. Äh, T'as fait 71 42 pi, mais on ne sait le pi, plus pi sur 2. Je vais essayer de faire comme ici, les enfants, qui ont écrit la loi horaire avec les valeurs numériques, donc c'est pour toujours, tu mets les unités, donc, Uc en volts ou t en seconde. Donc. Donc, je charge l'UL de t. On a UL de t plus UC de t d'après la loi de Ma égale à 0. Donc, UL de t à quoi égal Égale à moins UC de t. UL de t égale à moins 2,5 sinus. 71,42 pi t plus pi sur 2. Finalement, il faut éliminer siné moins et Je Zid-o-pi. Très bien. Donc, ul de t égale 2,5 fois sinus 71,42 pi t. On a pi sur 2 plus pi. C'est moins pi sur 2.

كورب ريت تعمل كورب نتاع انرجي وكورب نتاع شارج كوب تاع يو سي وين ترا فيها الكورب نتاع ال 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 الفي دو اي منين تخرج فيها انت الفي دو اي ماشي ال اي مش ال قالها قال ان دمي ال اي معناها ال اي ال اي بروبورسيونيل وهي ال استنى استنى عاود نصلح لك قلت لي ال اي بروبورسيونيل Qui du point de vue phase, et les rudes belges, fasse un terrain avec deux fois la phase de l'énergie est égale à deux fois fille de i. Voilà, ça fait un cadre. Un jeté, non, 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 ben déterminer la capacité c et l'inductance l

Vous comme dire que vous avez une courbe d'énergie. Vous avez une courbe d'énergie totale. Vous voyez Vous voyez comment vous avez une E Oui ou non Question C1. Donc, l'arphe est l'élé. UL max égale à E, l'énergie totale, est égale à l'énergie électrique maximale d'après la conservation de l'énergie. Donc, elle est en train d'être l'énergie totale ou l'énergie totale, nous allons prendre à quoi égal? yama. donc le E nous allons prendre n demi L fois I max au carré. nous allons prendre n demi C fois U C max au carré. alors nous allons prendre quel U C max ou non? donc nous allons prendre la capacité C. la capacité C à quoi égal? deux fois l'énergie totale sur UC max au carré. Donc, est égal à deux fois, totale, est, totale, 2, 5, 2 fois l'énergie totale, c'est, l'énergie totale, 2,5, 2 fois 2,5, fois 10 à la puissance, moins 3, sur UC max au carré, 2,5 au carré. a t valeur de 8 dix moins 4. On a 2,5. En mode simplification, 5 sur 2,5 au carré. Qu'est-ce que je veux dis 8 fois 10 moins 4. Il moins 3. On a l'âne 5 sur 2,5 au carré. C'est simple. 5 sur 2,5 au carré. 0,8. 0,8 fois 10 à la puissance moins 3. Donc, 8 fois 10 à la puissance moins 4, l'unité, c'est Farad. Hein? Question L'indictance L, plutôt. Plusieurs méthodes. Une méthode. méthode. Mm. Donc, le N0, est quoi, à 1? sur 2pi racine carré de LC. Donc, n0 au carré égale à 1 sur 4pi au carré fois L fois la capacité C. Donc, l'indictance L égale 1 sur 4pi au carré. N0 au carré fois la capacité C. Attendez la valeur où elle dit est? 1 sur 4. Pi au carré la fréquence n0 fréquence n0 c'est 35 71 35 71 au carré fois la capacité c'est c déjà 8 fois 10 à la puissance moins 4 Euh, 0,02. 0,02. 0,02. Ah. L'unité, c'est Henri. La question déterminer la valeur de E sur laquelle le condensateur a été initialement chargé. Donc, il il Narfo valeur il la

Le circuit électrique schématisé sur la figure A comporte des interrupteurs K1 et K2, un générateur idéal de tension continue de force électro électromotrice E, un condensateur de capacité C et d'armature A et B, une bobine d'inductance L et de résistance négligeable. L'interrupteur K2 étant ouvert, en ferme K1. Après une brève durée, l'armature A apporte une charge maximale plus 0%. Et le condensateur immagine une énergie électrostatique EC0. Les charge du condensateur étant chargé euh, à l'instant T égale à 0, l'over K1 et on ferme K2. À, à, à T quelconque, l'armature A du condensateur porte une charge Q. Exprimer l'énergie électromagnétique est euh, totale en fonction de LCQ L, C, Q et l'inconscient des courants I. Voilà, donc c'est simple question de Donc, premièrement, petit à... l'énergie totale quoi égale c'est l'énergie électrique plus l'énergie magnétique donc est égal à demi Q au carré sur C plus 1 demi l fois i au carré montrer sans faire aucun calcul que cette énergie se conserve ah, qu que Qu'est-ce que tu as fait Je n'ai le... calcul, euh, pas calculé, mais j'ai vu que l'énergie se concentre. Monsieur, je ne peux pas les les très, les bien, très bien, très bien. Donc, avec le résistor, c'est mieux. C'est un élément dissipatif. Dissipatif. Pas d'élément dissipatif. Et les conducteur ohmique, la résistance totale est nulle, donc d'où l'énergie E, euh, il se conserve. Ben? déduire l'équation différentielle ben, de Ai, déduction. Dites-moi, la question des

et dérivée de E, il y a 1 demi fois 2 dq par rapport au temps sur C, à ne pas oublier, fois, fois q. Oui ou non? Plus 1 demi L de di par rapport au temps fois i, égal à 0. Donc, pour les simplifications, on a I un facteur, facteur de temps q sur C plus l di par rapport au temps égale à zéro. Donc, q sur c plus l dérivée seconde de q par rapport à dt au carré égale à zéro. l'équation différentielle. Donc, directement, on sort la de l'énergie. Donc, plus 1 sur LC fois q de t égale à zéro. D'accord, Je dire que de ben, la charge Q de T peut se mettre sous la forme Q de T est égal à Q0 sinus 2 pi sur T0 T plus phi de Q. Et sa courbe représentative est donnée par cette figure. Déterminer la phase phi de Q. On a Q de 0 égale à Q0 sinus 2 pi sur T fois 0. Donc 3 sinus phi de Q est égal à Q0. Voilà donc. Simplification par Q0, Q0. Donc, sin phi de Q égale à 1. Donc, phi de Q égale à pi sur 2 radians. Monsieur... Oui, oui. Monsieur Toblé, quand on a tenu courbe, cube, i, hey. Monsieur, pas, des propriétés le courbe tal Q me fait I ou tal I ne fait là. Ah, oui. Monsieur Neshmoundachalou de propriété, tal RSFUC, HTFLC, qui no. est la communication. No. Non. Non. Le, 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 le. Pour le moment, je ne sais pas je vais Par exemple, la dérivée de Q par rapport au temps. Donc, par rapport au temps. Donc, phi de i, égal phi de Q plus pi sur 2. est l i et en quadrature avance de phase par rapport à... الاي اي اون كوادراتور افونس دو فاز بارابور ا كو دو تي وتمشي للكورب تعمل ايدنتيفيكاسيون للكورب اللي سابقه تقول له اي دو تي اتان سون ماكسيموم افون كو دو تي وهكا ربطته بالكورب باش باش يعطيني النوت نتاعي الكل داكور ولدي فهمتك فهمتك هاي جاي خدمة نتاع فورسي محضر كتاب كامل على الفورسي كتاب مش نسيت هو في التي بي اعطاني ريزونونس وكمل باش سنتيز ما سالش ما سالش باش عليها مسير في السنتيز ما عندناش ريال عندنا جيست ال سي وفور سي واضح مرحبا بيا اي دوار مرحبا انا يعني ما ما يقلقش باي <applause> هاي أه هذايا لازم يتخدم كوبي فو هو اريزون مو لازم يتكسب عندنا في الخدمه لوكس يقول لك لنا ديترميني اناليتيكمون Les dates appartenant à l'intervalle 0, 3, T0 sur 4, pour laquelle LQ égale à moins Q0 sur 2 lors de la charge du condensateur. Analytiquement, nous, si nous étions graphiquement, je ne sais pas normalement. graphiquement, pour aller dans la courbe, avec Q0, l'q Q0 sur 2, et normalement, LQ égale à Q0 sur 2. هوني بون هو قال لي في الانترفال من الزيرو لل تي زيرو او دونك حتاكش الهوني نورمالمون من ماكس لماكس باش تكون هوني تروا تي زيرو كات داكور اي دونك هو بيريود اما ما فيه اناليتيكمون هو ما جرافيكمون analytiquement, on a bien ah. est dans le calcul. Hein Je sais pas ce qu'on va faire. Monsieur, je vais sortir de la Q de T égale ouais. à... Très bien. Moins Q0 sur 2. Très bien. Il y a des paramètres qu'on va faire. Q de T est égale à Q0 euh, Q0 fois sinus 2 pi sur t0 t plus pi sur 2, la phase à quoi égale est égal à moins q0 sur 2. Ah, pardon, la positive, le lettre. Là, il y a, a... une euh, moins q0 sur 2. Je vais dire 3 t0 sur 4, 3 t0 sur 4, que il y a 0,75 périodes.

égal à moins que 0 sur 2 donc simplification par q0 ou q0 je ne regarde tout moins 1 demi je dis l'angle sinus c'est à moins 1 demi le cercle trigonométrique l'angle principal l'angle principal L'angle principal le principal c'est demi c'est positif ça اللي هي شكون الى لان لان دومي هي البي سور 6 دونك موا زان دومي باش تكون يا اما موا الفا والا بي بلس الفا اللي هي 7 بي سور 6 والا تنجم تاخوها موا 5 بي سور 6 وي او نو خاطر هذه بي سور 6 وهذه زاد كيف كيف 5 بي سور 6 دونك هذوما الكل سي موا الفا واضح دونك لازمني نعطيهم لو الاثنين Donc, soit de phi de q égale à moins pi sur 6 plus 2kpi ou euh, mousse, 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 mousse le phi de q. Et le phi de et c'est sinus. Donc, 2pi sur t0 t plus pi sur 2 égale à moins pi sur 6 plus 2kpi ou bien 2 pi sur t0 t plus pi sur 2 à quoi t est égal Est égal à moins 5 pi sur 6 plus 2 kpi. Ou bien tu as dit, 7 pi sur 6 plus 2 kpi. c'est kif kif. Ah, qu'est-ce que je fais Je ne veux pas si je fais le moins pi sur 6 ou le moins 5 pi sur 6. Puis le cosinus, je vais dire. Le cosinus cos est cos cos positif. والكوسينيس لنا نيجاتيف. ها شو باش تعمل؟ ما يسالش راهو حتى نغلط قلت ما احنا حسيت باش نصلحه. باهي طبعاً لينا نتعلموا كيفاش نخموا واحد باهي قلنا انت تخدم الاكواسيون هذه ما بي ولا وي نو دونك انت ماشي لنا تفركس على الكوسينوس كوسينوس بارابور سينوس هو شنو هو ديريفي وي نو وي دونك انت لنا لازمك تشوف اسكو الكورب معناها باش تبدا كرواسونت والا دي كرواسونت كلير معناها السيني نتاع ديريفي أوتروموندي دي باهي كي تخزر انت لنا الكورب في البارتي نيجاتيف هذه دونك في الفاز نتاع الشارج اسكو الاو سي ولا دي كرواسونت دي فوالا دونك شوف تبعني هاو باش نعطيك ميثود اخرى مخير من هذايا الكل مش عطاك هو فاز دو لا شارج وي نو ايه. وقت اللي نقول لك فاز دو احنا اون اي داكور انه ماشيين للسيني نتاع الكوسينوس باش نبداو واضحين مع بعضنا معناها السينوس ما وصلناش دونك كي نحكيو على الفاز نتاع دو الشارج دونك نورمالمون لينرجي او سي il augmente ou bien il diminue Que le phase de la charge Il augmente. Et dérivé de EC par rapport au temps Positif. Très bien. Positif. Aïe, 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 l'EC. Dérivé de 1 demi, oui, fois oui. U, C au carré Si, aïe, aïe. 1 2 fois. Deux fois. Dérivé de e, C U, C par rapport au temps, fois ce فوا يو سي, فو سي. هاك حليت لك مشكلة كبيرة ياسر ولدي يخسر بينت لك اللي سي ديريفي دو اي سي بارابور اوتون فوا اي سي لازمها تكون شناهي بوزيتيف بوزيتيف انت في الكا اللي تخدم فيه توا الكي إيكالا موان كو زيرو سير دو مش الكو م. نيجاتيف أه. دونك الإي سي سي نيجاتيف وي أو نو في الموان كو زيرو سير دو باش تقع ديما الإي سي Mais il y a des valeurs négatives. D'accord Mais est négatif. Et si je suis avec le col positif, je ne suis pas là. Je suis dérivé de l'Uc par rapport au temps. Négatif. Très bien. Voilà. Donc, je suis dérivé négatif. C'est-à-dire cosinus, depuis sur T0... فوا تي بلس بي سور دو لازم يكون نيجاتيف دونك شنو باش نختاروا باش نختاروا موان 5 بي سور 6 بلس 2 4 بي واضحه الاولاد مفهوم الميثود هذه ديما تخدم لي بالديريفي نتاع الانرجي تسلك امورك واضح تاو نقول لك فيوس ديزيكزرسيس شارج ولا دي شارج كان جد دي شارج كان سالنا في دي, دي شارج باش نقول له ديمينو باش نقول له

euh, plus pi sur 2 égale à moins 5 pi sur 6 plus 2 k pi. Donc, fait le calcul, on a toujours soit le temps. Donc, simplification par pi. Donc, je qu'on 2 t sur t0 égale moins 5 sixièmes Moins un demi plus 2 cas. cas. Et statine à moins 5 sixièmes, moins 3 sixièmes. Statine. Moins 8 6 Moins 8 6 Moins 8 Plus 2 cas. Et nous, on simplification. Moins 8 sixièmes, elle est. 4 Moins 4 tiers plus. دو k لو حاجتي ب شنعمل؟ نقسم على اثنين ونضرب فوا دو، داكور؟ نضرب فوا تي زيرو، دونك، لنا؟ لانستون تي إيكال، كي على اثنين شتعطينا؟ باش تعطينا كا، موان كات تيار سير دو، شتعطينا؟ موان دو تيار فوا تي زيرو، لي دات، واضح؟ À ta ni condition, dans l'encadrement. Oh, un... Encadrement, très bien. Wadhi. Donc était comprise entre 0 et ah, 3, 3 t0 sur 4. 3 t0 sur 4. A ou l'expression, à l'éé. Donc Anna 0 k moins 2 tiers de T0 ou l'enna 3 T0 sur 4. Donc, simplification par T0. T0 ou T0, 2 tiers l'alcool, Statine. 2 tiers, cas de tel cas, 3 sur 4 plus 2 tiers. A tout une valeur exacte, de l'être. 3 sur 4 plus 2 tiers.

باش يكون التي تي تعوض الكابل ا آه. دونك تعطينا ا آه موان دو تيير 3 تيير موان دو تيير سي ان تيير دو تي زيرو دونك ايتيغال تي زيرو سور 3 داكور داكور ام الكا اونتر دو سور 3 ان فيكول كا بعديك بعديك مشينا للتي عوضنا 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 التي زيرو عوضنا الكا نحفو زيرو خاطر آه لا خاطر اخزرلي لي هي لونكادرمون ما بين شكون الزيرو ماهوش داخل في الانترفال نتاعنا وحتى لو كان غلط وحطيت الزيرو سما طون يكون نيجاتيف وي او نو نو لا لا donc la question oui, Limbardo donc montrez que l'énergie euh, l'énergie magnétique elle s'écrit sous cette forme pratiquement donc troisièmement l'énergie magnétique elle a quoi égale demi l fois i au carré où l'expression de Q donc c'est oméga zéro O carré fois Q max carré cos carré de 2pi sur T0 fois T plus pi sur 2. Oui ou non Elle a oméga 0 carré fois Q max carré. Elle est I max ouais. Oui ou non Donc 1 demi L I max carré. Elle est que c'est l'énergie l, l max. Facteur cos carré satine 1. Plus cos 2θ, donc ça tient a 4pi sur T0, T0 fois T plus 2 fois pi sur 2. tient a plus pi. pi à ne pas oublier sur 2. Elle est l'EL. l'EL max d'après la conservation de l'énergie. Vous avez eu 16 0 Donc l'EL euh. égale à l'EL 60 sur 2, facteur de 1 plus cos 4 pi sur T0 fois T plus 2 fois pi sur 2, c plus pi. Voilà, roulette. Une étude expérimentale a permis de tracer les, les courbes traduisant l'évolution au cours du temps de l'énergie magnétique et en exploitant les courbes déterminées, la valeur de l'inductance L et ec 0 Donc, quatrièmement, peux-tu ta courbe à EL en fonction, fonction de I. Choisir valeur au l'inductance L. EL à quoi est égal 1,5 L fois l. I au carré. Donc l'inductance L égale à 2 fois EL sur I au carré. D accord. D accord. Donc, 0,2 la valeur maximale. Ou la valeur maximale, c'est Donc, est égal 2 fois la valeur maximale, c'est 2 2 fois 10 à la puissance moins 3 sur 0,2 au carré. 2 fois 10 à la puissance moins 1 au carré de statine à 4. 10 puissance moins 1 au carré, c'est 10 à la puissance moins 2. Simplification, donc chatina 10 à la puissance moins 1, c'est 0, 1, Henri. Oui. L'énergie E, c'est 0. Oui. elle est EL, max, l'énergie E, elle E, c'est 0. Donc, quoi t'égale 2. Est égal à 2 millijoules, 2 fois 10 à la puissance, moins 3 joules. La période propre T0, ah, oui la période propre, ah, la courbe, courbe de l'énergie, déjà, la courbe de l'énergie, T de l'énergie est égale à T0 sur 2. Ouais. Oui ou non ouais. Donc, T0 à quoi est égale Est égale à 2 fois, fois T de l'énergie, est égale à deux fois 2 fois 2pi, bestatina 4pi fois 10 à la puissance, moins 4 secondes. La capacité, c'est... tu as l'indicteur L, tu as l'indicteur Donc, beaucoup de temps, de gaspillage de temps dans tes Donc, directement, l'enchaînement, tu as les idées. Donc, T0 est 2 pi racine carré de L6. Donc, la capacité c'est à quoi tu C'est T0 au carré Zero sur carré, 4 pi sur au carré, pi carré fois l'indicteur L. l. Ouais. Donc, T0 au carré, ça te rend 16 Fois pi au carré plus, plus, fois 10 à la puissance moins 8 sur 4 pi au carré fois l'indictance c'est 0,1. Donc, ça a la simplification. Donc pi au carré, ou le pi au carré, 16 sur 4, vous statina 4. 10 puissance moins 1, t'as la 10 à la puissance 1. 10 à la puissance moins 7. Farad لا كاباسيتي سي اش مازال لا شارج كيو زيرو لا شارج كيو مش احنا عندنا عندنا السي معناها وعندنا الاي سي ماكس قال اي ماكس اي تري بيان عندك بليزيور ميثود في بالك ولا عندك الاي ماكس اكوا تيغال زيرو فوا كيو ماكس هذه هي اون ميثود واضح عندك لينرجي e 6, 0 égale à 1 demi Q0 au carré sur la capacité C. Voilà. Donc, nous avons dit, le Q0 à quoi égale racine carrée de 2 fois la capacité C fois e 6, 0 égale racine carrée de 2 fois la capacité 6, C, c'est 4 fois 10 à la puissance moins 7 fois EC0 c'est 2 millijoules 2 fois 10 à la puissance moins 3 donc on a 10 puissance moins 7 10 à la puissance moins 3 donc Bustatine 10 à la puissance moins 10 en racine 10 à la puissance moins 5 jusqu'à 2 8 racine carré de 8 on à 2 racines de 3 c'est ça 2 racines de 2 plutôt 8 lui est 4 fois 2, non, non, non. non. 4 fois 2, c'est 8 fois 2, 16. 16, donc racine de 16, à quoi est égal question, e, Est égal à 4 fois 10 à la puissance moins 5 jours. question, la valeur de E, les charges avec le condensateur, est l'UCE max, est égal à E, égale à Q max sur la capacité C, égale à 4 fois 10 à la puissance moins 5. Sur la capacité, C, c'est euh, 4 fois 10 à la puissance moins 7, donc, à quoi es égal est égal à 100 volts.